24 heures après le drame, les familles de migrants continuent d'affluer à Kalamata. Ils reçoivent des premiers récits glaçants. Parmi eux, Kassim Abozid, syrien et sans nouvelles de son épouse et de son beau-frère présents à bord de l'embarcation. They looking for body in the sea, and they will. They have information. They have information about his wife and her brother, and they will looking of they are in the bodies in the hospital on or in the living. But in the survivor, that's no match. 9 Égyptiens soupçonnés d'être les passeurs ont été arrêtés. Un voyage vers la mort qu'ils auraient fait payer 5000 dollars. Τις τελευταίες ώρες εδώ φτάνουν αρκετοί συγγενείς των αγνοωμένων, άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει από τη Γερμανία, την Κύπρο και από άλλες χώρες. Όπως μας είπαν, δεν έχουν πια ελπίδες, δεν πιστεύουν σε θαύματα, όμως θέλουν να πούν το τελευταίο αντίο, θέλουν να αποχαιρετήσουν τους δικούς τους. La vie locale s'organise autour de l'aide à apporter aux migrants. Dans les cuisines municipales, on s'affaire, plusieurs bénévoles viennent prêter main forte. Ici, ce sont des dons qui sont collectés. Un élan de solidarité alors que le pays a décrété un deuil national de 3 jours, interrompant ainsi la campagne des législatives.